J'ai amendé ma plantation. J'ai engraissé ma plantation. Quelle différence? Bonjour et bienvenue sur Agrituto TV. Si tu me découvres dans cette vidéo, je suis Christian Kenou, ingénieur agronome. Alors avant de commencer ici, j'aimerais te rappeler que si tu es un éleveur, un agriculteur ou tout simplement un membre de la diaspora qui désire investir dans le secteur de l'agro-pastoral en Afrique, j'aimerais te rappeler que j'ai mis sur pied un groupe WhatsApp dénommé Agronomie à l'Africaine. Alors dans ce groupe WhatsApp, tu retrouveras 7 ingénieurs agronomes, chacun exerçant dans un domaine spécifique. Ça veut dire qu'il y a un ingénieur pour l'apiculture, un ingénieur pour la pisciculture, un ingénieur pour la porciculture, un ingénieur pour l'apiculture et j'en passe. Alors, ces ingénieurs vont t'aider, n'est-ce pas, en répondant à toutes tes préoccupations. Tu as rencontré une difficulté sur le terrain, tu pourras l'exposer dans ce groupe WhatsApp et tu y trouveras la solution. Tu retrouveras également dans ce groupe WhatsApp un juriste et un agent immobilier. Alors, ces deux-là t'aideront pour tout ce qui est rédaction de contrats, acquisition de terrains agricoles, gestion de litiges fonciers et j'en passe. L'adhésion à ce groupe est entièrement et totalement gratuite, à la seule condition d'envoyer la capture d'écran de ton abonnement à la chaîne YouTube Agrituto TV au numéro qui s'affiche juste là. Amendement et engraissement constituent tous les deux ce qu'on appelle la fertilisation. Alors, l'amendement est une fertilisation qui améliore principalement les propriétés physiques d'un sol, à savoir pH, porosité et j'en passe. Tandis que l'engraissement est une fertilisation qui améliore principalement les propriétés chimiques d'un sol, à savoir teneur en phosphore, teneur en azote, teneur en potassium et j'en passe. J'espère donc que désormais, vous serez plus technique dans vos différents échanges et que vous utiliserez désormais les termes engraissement et amendement comme il le faut. N'hésitez pas à commander ce gobelet qui rendra votre eau de boisson alcaline. Ceci afin de détoxifier votre organisme de tous les pesticides que vous avez déjà eu à ingérer jusqu'aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a édifié. N'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Ça ne vous coûte rien et ça nous fait plaisir. Ciao la famille.